c'est quoi le programme aujourd'hui, Marin? Après être parti chez le coiffeur et avoir fait la moustache, je suis content, retour. Je vais essayer de faire 6x1 à 210. Pour essayer de rester. C'est un record du coup, 6x1 à 210? Non, j'ai déjà fait 10x1 à 210. Je le fais pour essayer de maintenir toujours des grosses barres. Okay. Je sais pas du tout si ça va passer. Hein. C'est juste que comme j'ai fait des séries d'autres fois à 200 et ça allait, je me dis que là ça devrait aller. Si ça passe, tant mieux, ça passe pas. On va voir ça tout de suite. Ouais. Ça commence à faire bizarre. Ça va faire tout noir. Là où tu sens que c'est dur, c'est quoi? C'est le dos ou les jambes plutôt? Le gainage. Gainage, posture. Le ventre, déjà c'est pas ma ceinture. Elle est trop serrée. Et en fait je suis entre deux crans. Donc en fait j'arrive pas à avoir mon gainage habituel. Donc c'est dur. Je suis hyper concentré dessus. Donc je descends doucement pour pas partir en avant ni en arrière. Ça fait que je sois réactif quand je pousse, parce que mon gainage il a du mal à tenir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du lourd aussi. Alex, tu vas attendre 2 secondes parce que c'est un arbre. Bien celle-là. Dernier rêve de l'entraînement, Marin. Ouais. La pause c'était en bonus pour la fin? Ouais, c'est pour vraiment la fatigue, tu vois. C'est pour les followers, follow pour follow. C'est pour les follow low. Ouais, du coup Marin, hier t'as fait ton entraînement de squat, t'as fait tes 6 reps à 210.
Et ma question c'était parce que je sais comment tu t'entraînes un petit peu, tu fais deux séances dans la semaine, tu fais une lourde et une avec un peu plus de volume. Tu peux nous expliquer à peu près pourquoi tu fais. Enfin, pas à peu près. Bah, du coup, pourquoi tu fais ça? En gros, là c'est pas du tout pour une logique de progression quand je suis sur ce type d'entraînement là. Je fais en fait vraiment un truc hybride. Je fais une séance où je fais entre 5 et 6 reps. Soit je fais des reps où je break à chaque fois en haut, je prends mon temps de récup et je repars. Ou soit je reste tout le temps sous tension avec des charges un peu plus légères pour essayer de bosser de la vitesse. Et le fait de faire une deuxième séance sur du lourd avec des charges plus lourdes du coup et donc peu de reps, c'est pour mettre plus lourd, etc. Donc pour plus bosser le nerveux. Et le fait de faire les deux en même temps, c'est uniquement pour essayer de garder un peu un côté polyvalent, c'est-à-dire garder des squats avec de la vitesse et puis pouvoir bosser un peu de volume, et l'autre garder en fait une notion de force et pouvoir toujours porter des charges lourdes en fait pour pas me déshabituer de barre à plus de 200 en fait. Et question autre aussi, tu squats toujours deux fois par semaine ou tu fais plus des fois? Non, toujours deux fois par semaine. Une séance qui me fait plus mal musculairement, donc c'est avec le volume, et une séance qui me fait plus mal nerveusement. Je garde ces deux séances là déjà. Premièrement par plaisir, parce que moi c'est un truc que j'aime bien. Par exemple, je ne suis pas du tout de terre parce que ça c'est un truc que j'aime pas, mais le squat je le garde. Peu importe les entraînements que je fais dans la semaine, c'est un truc que je garde tout le temps. Et ce que je dis, s'il y a des personnes qui veulent progresser, le fait de faire ces deux types de séances là, de cette manière là, c'est-à-dire sans vraiment changer, sans vraiment faire de variation, ça aide pas forcément à progresser, mais ça permet en fait de garder des acquis. Moi ce que je conseille par contre sur ceux qui veulent progresser, passer un cap, ça va être plutôt de faire soit l'un soit l'autre en fait, pas les deux en même temps. De toute façon, vouloir faire tout en même temps, on n'arrive nulle part, c'est bien connu. Et c'est le problème un peu avec le crossfit en général, c'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler, mais les gens n'ont pas vraiment envie de périodiser en fait, ils veulent tout faire en même temps alors que le secret, faut faire des focus. Là par exemple, on a un ami Clément, tu vois donc qui je parle, et qui est Jason Tatum, qui lui faisait du crossfit. Et pendant un an, il est venu chez nous, il a fait quasiment que de l'haltéro en fait. Je le voyais plus trop faire de wod, il me semble. Il devait en faire un. Il faisait de la gym avec moi et de l'haltéro avec Louis et de la force avec toi en fait. Et il avait arrêté le crossfit, donc lui par contre vraiment, vraiment mis en off. Je crois qu'il faisait un wod de temps en temps pour le plaisir. Et puis après, quand il s'est remis au crossfit, son niveau il a explosé quoi. Parce que du coup, l'haltéro c'était plus du tout un problème sur les wods. La gym non plus, il avait pris des grosses barres sur ses squats. Donc là, il a pu vraiment performer. Donc, mais après, il faut aussi accepter de faire des gros focus là-dessus. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, comme moi, qui gardent le squat pour le plaisir. D'autres qui veulent garder absolument les wods aussi pour le côté plaisir. Bon, du coup, moi, je viens de voir, je dis que j'ai envie de progresser en squat, mais que je suis crossfitter. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'il va falloir réduire un peu le crossfit. En tout cas, d'allouer, en fait, comme tu expliques sur toi de tes vidéos de gym, c'est allouer vraiment du temps sur cet exercice-là. Et le faire dès le début en fait, pas le faire en fin de séance quand tu es déjà séché en fait, et essayer vraiment de s'y mettre à fond. Et pour s'y mettre à fond, soit on sait où on veut aller, soit il faut se faire encadrer, ou soit on suit une prog, mais en tout cas il faut quelque chose de carré et pas juste se dire je vais faire 5 reps de temps en temps en squat dans la semaine, ça va m'aider à faire un focus. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Et du coup, toi, tu proposes des programmations, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en fait En gros, les deux progs, alors si on parle vraiment que de squat, les deux progs que j'ai mis en place qui sont des progs, on va dire, basiques en termes d'objectifs, s'il y en a une, c'est pour vous prendre de la masse sur les cannes, qui s'appelle Big Legs. Donc là, ça bosse. Alors, pour ceux qui me demandent, c'est pas que les quadris, c'est l'ensemble en fait du membre inf. Ah, sinon on va vous faire des syndromes rotuliens et des machins comme ça quoi en fait. Donc toi t'as tout, t'as les fessiers, les quadris, les ischios, t'as tout qui bosse, et aussi la ceinture scapulaire puisque c'est des exos avec pas mal de temps sous tension, donc t'as le gainage qui bosse. Et donc là t'as Big Legs pour prendre plus de la masse et du volume. Ça permet aussi pas mal de corriger la technique parce que comme il y a la notion de répétition qui est assez importante, ça permet justement d'automatiser certaines choses. Et puis après dans la suite logique, ça y a pas mal de gens qui la font dans la continuité, t'as la prog Max Squat qui est par contre vraiment axé sur du travail nerveux et avec des répétitions très faibles. C'est-à-dire que le maximum de répétitions qu'on fait dans cette prog, c'est 3 reps. Et on commence avec des pourcentages pas forcément élevés, mais ça permet de mettre de la vitesse et en tout cas de se préparer pour le plus lourd. Voilà, donc Max Squat, Big Legs. Et puis après, prochainement, je ferai un truc qui s'appelle Squat Reborn. Donc c'est pas une programmation, mais ça sera plus... une sorte de séminaire que vous pourrez accéder en ligne dessus avec plusieurs vidéos, et en fait ce sera
Bah, en fait, comme quand on vient faire un séminaire ici à Powercamp sur le squat, une explication sur les différents process sur le squat, la biomécanique, pourquoi il y en a qui se placent comme ça, pourquoi il y en a qui sont plus à l'aise dans telle posture, pourquoi il y en a qui ont les genoux qui rentrent, qu'est-ce qu'on fait quand on a les genoux qui rentrent en termes de placement, etc. Donc plus vraiment une compréhension et un accompagnement sur le squat. Et pas juste une espèce d'encyclopédie du squat, mais en vidéo à peu près. Exactement, ouais. Ok. Bah, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, du coup, pour ceux qui sont intéressés pour plus d'infos. Powercamp.fr. Sachant qu'il y aura bien sûr d'autres vidéos avec Dr Squat sur le sujet. On fera peut-être du terre bientôt d'ailleurs, même si je sais que t'aimes pas trop, il va falloir en faire un petit peu. J'aimais bien, j'en ai fait pendant longtemps, j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais bien quand j'étais nul au squat. Mais non, on fera ça, ouais. Ça marche. Et ben, à la prochaine, et puis rendez-vous sur notre site internet pour ceux qui sont intéressés par les programmations. Salut! À plus!